Julien. Bonjour. Bienvenue chez TP. On est très heureux de vous recevoir dans nos locaux aujourd'hui. On est aussi très heureux de faire votre connaissance. On a fait la connaissance de Wings of Ocean il y a quelques mois maintenant. On était très intéressés par l'activité de votre association. On a essayé de s'approcher de vous pour être partenaire d'une façon ou d'une autre. Et on voulait aujourd'hui en savoir un petit peu plus sur votre activité. Déjà, comment vous avez eu l'idée de cette association-là ? Ben, c'est à travers beaucoup de navigation avec d'autres associations anti-braconnage à l'époque, où on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse pollution plastique dans les mers et les océans, et notamment sur les plages. Et donc, on a eu l'idée avec un ami qui était le capitaine du bateau de Sea Shepherd à l'époque, Sébastien Faux, de lancer notre propre association, qui serait non pas sur l'anti-braconnage, puisque l'autre s'en charge très bien, mais nous sur la question de plastique en mer et sur les plages. Et avec une vocation de se focaliser sur les plages qui sont difficiles d'accès par la terre. Puisque évidemment, si on prend la plage de, par exemple, Copacabana au Brésil, tout le monde peut y aller, tout le monde peut la dépolluer. Mmh. Voilà, enfin, tout le monde la pollue aujourd'hui, mais il y a des entreprises qui la dépolluent. Il y a des plages qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, et c'est notre travail d'y aller, et avec un accès par la mer. Très bien. Et là, justement, sur quelle zone vous intervenez ? Plutôt en France, un petit peu en Europe ou... Alors là, sur la première saison, on est parti. Donc, on a fait Portugal, Madère, Canaries, les Açores. Très bien. Ensuite, on est passé en Méditerranée avec la Corse et la région sud. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, en Corse, on a fait les îles Sanguinaires juste en face d'Ajaccio. D'accord. On a récolté à peu près 500 kilos de déchets en une journée dans une réserve naturelle de goélands. 500 kilos de déchets. Ouais, en une seule journée. Voilà. Ensuite, l'année prochaine, on a pour objectif de faire un mois de dépollution en région sud de France, région PACA, puis de partir en Grèce, dans les Cyclades, qui sont extrêmement polluées, puis de faire un mois de sensibilisation et de dépollution autour de l'île de Malte, où on aurait la possibilité en un mois de faire quasiment tout le tour de l'île et de dépolluer toutes les plages de l'île, quoi. Ah, c'est un beau projet. Alors justement, vous avez une notion de résultat. Donc vous parliez de 500 kilos de déchets sur un passage, notamment à l'eau. D'une manière générale, est-ce que vous avez mesuré, on va Alors, dire Alors au début, on pensait qu'on allait récupérer énormément de déchets en mer. D'accord. C'est pour ça qu'on a tout un matériel qui nous permet de racler la surface de l'océan, un chalut de surface en fait, qui nous permet de récupérer tous les déchets en surface. Sauf que ça a été une très infime partie, on s'est rendu compte que c'était vraiment infime. Donc là, sur toutes nos actions, on est à moins de 20 kilos en surface. D'accord. Par contre, à chaque fois qu'on va sur une plage, on fait en général entre 20 et 100 kilos de déchets par dépollution de plage. Ce qui fait que, avec les temps qui ont été destinés à faire de la navigation durant la première saison, donc il y avait des temps en navigation, des temps de dépollution, des temps de réparation du bateau également, puisque ça a été un des gros points de notre première année, on a fait à peu près 3500 kilos de récupération, ce qui est beaucoup et très peu en même temps. Oui. Mais pour une première année, pour une première mission, on trouvait que c'est assez pertinent. Après, l'autre avantage, c'est qu'on a fait énormément de sensibilisation à cette problématique à travers des youtubeurs qui sont venus, TF1 qui est venu sur le bateau, des France 3 Régions, Thalassa, qui sont venus faire des documentaires. Certains sont sortis, certains ne sont pas encore sortis. Voilà. Une série web qui va sortir l'année prochaine, des documentaires qui vont sortir, de façon à sensibiliser les personnes sur... enfin le grand public, sur les questions du plastique dans l'océan. Ah, c'est très bien, vous avez été accueilli par un maire aussi, je crois, d'une commune. Oui, à Port-Vendres, on a eu la médaille de la ville de Port-Vendres. Bravo. Donc merci encore à la mairie de Port-Vendres. Non, c'était sympa, puisque on a accueilli à ce moment-là, on a accueilli beaucoup d'élèves des écoles de Port-Vendres, par exemple, sur le Kraken, donc ils sont venus visiter. Quand on était à Cherbourg, on a fait la tournée des collèges et lycées également, donc on a visité plein de classes, histoire de sensibiliser à cette question plastique. Donc on n'est pas seulement sur des questions de dépollution pure et dure, on a également tous ces aspects, visite dans les collèges, visite dans les lycées, ou dans les écoles primaires, enfin dans les écoles, d'éducation générale, et sensibilisation sur les réseaux sociaux et les youtubeurs, les influenceurs qui peuvent venir. Ouais. Ah, c'est très bien. Alors sur cette partie de dépollution, question un peu générale, qu'est-ce que vous faites du plastique que vous collectez ? Alors pour l'instant, on a à chaque fois on essaie de le donner aux
collectivité locale. D'accord. Par exemple, à Nice, on l'a donné à la collectivité. Sinon, pour les mégots de cigarettes, on les a redonnés à... Aussi, ouais, c'est une énorme partie de ce qu'on récupère. D'accord. Pas en termes de kilos, mais en termes de volume. Le polystyrène, par exemple, c'est la même chose. C'est énormément de volume, mais c'est pas beaucoup de kilos. Donc, il y avait aussi cette question du volume sur les 3500 kilos. Il y a ça. Les mégots de cigarettes, on les a donnés à Recyclope, à Marseille, par exemple. On essaie à chaque fois de trouver les organismes qui sont capables de recycler tel type de plastique. En local, à chaque fois. En fonction des escales dans lesquelles on se met. Il y a une petite start-up qui fait des baskets à partir de bouteilles plastiques à Marseille, Le Corail. On leur a donné toutes nos bouteilles plastiques en PET. D'accord. Typiquement. L'année prochaine, par contre, on va travailler avec Sequal qui, eux, font de la fibre textile plastique. D'accord, très bien. Donc là, on est vraiment dans la notion de recyclage. Et d'économie circulaire. Ouais, bah, très bien, bravo. C'est tout à votre honneur. Comme vous le savez, nous, TP, nous sommes spécialisés dans l'hygiène bucco-dentaire. On est un petit peu éloigné de votre activité. Notre ADN est vraiment tout ce qui est brossage, brossage interdentaire, brossage plus classique avec les brosses à dents. Aujourd'hui, on présente notre nouvelle gamme Good, une gamme qui se veut éco-responsable, puisqu'une fabrication en bioplastique avec une base en canne à sucre et en huile de ricin. C'est une vraie volonté de TP, du groupe TP dans sa globalité, à réfléchir éco-responsabilité, à réfléchir à l'environnement, et c'est vraiment dans cette démarche là que nous souhaitons intervenir, et c'est dans cette démarche là que nous vous avions contacté pour notre partenariat. Aujourd'hui, ce que je voulais vous demander, Julien, c'est comment nous, TP, nous pouvons à notre niveau vous aider pour votre activité, pour vos différentes activités, j'ai envie de dire, d'une manière un peu plus générale. Ben, le bateau en lui-même est toujours à la recherche de financement, ça, c'est un point. Donc nous, on a des besoins de financement sur le Kraken de façon à pouvoir pérenniser l'activité. Aujourd'hui, on est tous bénévoles sur le bateau. Un jour, il faudra quand même qu'on puisse en vivre. Là, on a réussi à sécuriser trois postes. L'idée, c'est d'étendre le système à pouvoir au moins sécuriser une quinzaine de postes sur le bateau. Voilà, donc on est en recherche toujours de financement. De financement, c'est le gros point. Actuellement, c'est 95% de mon temps d'aller chercher des financements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une personne maintenant chez nous qui s'occupe de tous les aspects opérationnels, parce que j'ai pas le temps de le faire. Même si j'aimerais bien pouvoir me pointer là-dessus et faire ce travail-là. Aujourd'hui, je suis malheureusement tout le temps dans la recherche de fonds. Et voilà, donc on aimerait bien pouvoir un jour passer sur d'autres activités. J'imagine que tout type de financement peut vous aider. Il n'y a pas de montant minimum. Participation. Une participation libre. En fonction de l'entreprise. Et après, les contreparties sont à chaque fois à définir avec les entreprises, les particuliers. Voilà. D'accord, très bien. Et être partie volontaire, est-ce que ça peut vous aider Exactement, on a des personnes qui viennent sur le bateau. Donc nous, on est à la recherche de bénévoles. Il y a quand même déjà pas mal de personnes qui ont postulé. Très bien. Mais s'il y a des personnes qui ont des compétences spécifiques, style soudeur, style cuisinier végétarien, expert en zéro déchet, ou des personnes qui ont des compétences spécifiques sur des données comme ça, qui sont marins, officiers de marine marchande, mécaniciens maritime ou mécanicien tout court, ça fait l'affaire aussi. peut être une aide. Et qu'ils ont un mois de disponibilité, tout à fait possible, venez à bord. D'accord, super. Donc on l'a noté, financement et démarche volontaire avec une compétence spécifique qui peut apporter sa pierre à l'édifice. Super. Merci beaucoup Julien, bravo encore une fois, bon courage pour vos activités. TP souhaite continuer à être partenaire de Wings of Ocean. Merci beaucoup. Merci Dernier Julien. Point qui peut être intéressant, si vous, autour de vous, vous souhaitez organiser des dépollutions du lac d'à côté, de la rivière d'à côté, des rues à côté de chez vous, ou ne serait-ce que sensibiliser les maires des villages ou des villes autour de vous à ces questions plastiques, ça fait toujours du bien. Très bien. Si c'est pas au nom de Wings, ça fait toujours du bien. D'accord, ok. Donc ça fait 3 points, c'est sur ça quoi travailler. Super, merci beaucoup Julien. Mais de rien. Merci.